Bonjour tout le monde. On est déjà notre dernière rencontre de l'année. Moi, ça me fait toujours plaisir d'être parmi vous. Je ne suis pas d'une grosse aide pour l'orthopédagogie, à part tout ce qui est numérique, là. Mais ça me fait tout le temps plaisir de vous voir. Vous êtes une belle communauté, puis il y a plein de belles choses qui se font, là. Puis c'est vraiment des actions que vous faites qui sont pour les élèves qui en ont super besoin, là. Fait que là, ça me fait tout le temps chaud au cœur de voir le dévouement de tous les orthopédagogues. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Karine va vous animer ça super bien. C'est correct que je vous dise bonjour parce qu'elle ne me fait pas travailler fort fort. Là, fait que je vais prendre ce petit mot-là pour vous Écoute, souhaiter la bienvenue. Annick, si tu veux travailler fort, j'ai de la job pour toi. C'est correct. C'est correct. Non, mais tu es très bonne, tu fais bien ça. On est une bonne team, on se parle à peu près pas, puis tout est tout le temps bien organisé. Merci, Karine. Mais on connecte. C'est ça l'affaire, c'est qu'on connecte. J'espère que tout le monde va bien. Donc, moi, j'apprécie les caméras ouvertes là, quand vous pouvez. Là, ça fait toujours plaisir. Fait que les vacances commencent dans quelques minutes, dans quelques instants, dans quelques semaines. Est-ce qu'il y en a qui ont hâte? Jeanne aussi, oui. Oui, Stéphanie, probablement aussi. Fait qu'on a tous super hâte. Bonne dernière rencontre. Sachez que la communauté, je l'alimente, là, mais tu sais, si je l'alimente à partir de ce que j'entends, là, fait que j'ai vraiment besoin de savoir c'est quoi les préoccupations. C'est quoi les besoins, c'est quoi qui se passe là, dans vos centres? Donc, j'ai le goût de savoir un peu qu'est-ce qui se trame dans votre centre. Je pense que c'est un peu partout, là, mais on est vraiment dans une espèce de mouvement, là, de vent, de changement de pratique, là. C'est comme si le constat que l'enseignement individualisé dans des cahiers, ça ne répondait plus aux besoins, là. Puis on n'est plus les seuls à s'en rendre compte. Les enseignants le nomment de plus en plus, ce qui crée une ouverture vers essayer autre chose, là. Donc, on est un peu là-dedans, nous. Donc, tu sais, pour l'année à venir, là, c'est ça, on est vraiment là-dedans. Là, notre direction essaie d'implanter des CAP. On parle de plus en plus de RAI. Nos actions sont vraiment portées vers les changements de pratique tranquillement, évidemment. On ne veut pas brusquer personne, mais il y a vraiment ce mouvement-là qui est senti, mais jusque chez nos enseignants qu'on sentait moins avant. On a de l'espoir pour les années à venir. On a du pain sur la planche, ça c'est sûr, mais vraiment, ça c'est ce qui se trame le plus là, chez nous en ce moment-là, je dirais. Merci, Cindy. Puis c'est un peu malheureux parce qu'il y a des enseignants qui commencent à se réveiller parce qu'il y a beaucoup de collègues qui ont perdu leur emploi. Donc, on est en baisse drastique de clientèle en formation générale adulte, même aussi certains programmes de formation professionnelle. Puis des fois, c'est lorsque notre emploi est mis en jeu qu'on commence à se réveiller. Bien, puis je te dirais qu'il y a aussi comme une espèce d'épuisement. Tu sais, c'est comme si les enseignants se disent, mais voyons, je me donne, mais j'y arrive pas quand même. Ils ont plus ce sentiment-là de répondre puis de pas y arriver. Fait que c'est comme si le constat, il arrivait d'eux-mêmes en se disant, OK, mais là, il faudrait que je fasse autrement parce que sinon, je m'en sortirai jamais. Tu sais, fait que moi, c'est ce que je commençais à entendre de plus en plus, là, tu sais. C'est le fun d'être pas tout seul à porter un dossier. Jeanne Lambert, mesdames et messieurs. Salut! Chez nous, ça fait 2 ans qu'on est en implantation de la conception universelle des apprentissages en accompagnement avec nos profs. Ça va super bien. Hier, on a fait notre bilan, moi et Tommy, là, parce qu'on fait la démarche, parce que là, notre direction nous a demandé de présenter au congrès des directions d'école ou des cadres l'année prochaine. Puis on va probablement présenter à la TREAC aussi. Donc, cette démarche-là, parce que c'était ça le constat chez nous, l'épuisement des profs, le sentiment de tout le temps de dépasser. On essayait, tu sais, des profs connaissaient pas la RAI ou peu. Puis là, quand on essayait d'implanter la RAI, il y avait peu d'interventions universelles qui se faisaient. Du niveau 1, j'en faisais dans mon bureau, puis c'est pas supposé. Tu sais, il y a eu tout ce constat-là. Fait qu'on a commencé à mettre en place. Puis moi, j'avais fait la formation cadre 21 sur la CEA pendant la pandémie au début, parce que j'essayais de m'occuper ma vie chez nous, puis que j'étais plus capable de me gérer. Parce que ça va vite dans ma tête. Fait que, il fallait que je m'occupe. Fait que là, on dirait qu'on avait tout mis en commun avec le conseil pédagogique. Puis c'est le constat que c'était la meilleure façon de travailler. Puis on a eu une direction qui nous a laissé beaucoup, beaucoup de liberté là-dedans, mais qui nous a aussi appris à nous choquer un peu, là, tu sais, à nous retenir un petit peu. Puis à partir de où les enseignants partaient, puis à partir de ce qui se faisait déjà,
Fait qu'on a vraiment bâti une belle démarche. Puis, tu sais, ça fait un an et demi là, qu'on est dans, vraiment en implantation là, formelle. Puis, les enseignants, ils nomment. Genre, tu sais, avec la prof d'anglais, l'autre fois, je regardais les examens de secondaire 5, puis elle fait, genre, c'est pas CUA, pas en tout ça. Elle dit, ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment pas CUA. Puis, tu sais, on a, l'année prochaine, on commence à accompagner du personnel non enseignant parce qu'on veut que le centre complet soit CUA, fait que, tu sais, les secrétaires, le journal étudiant, les TES, dans la façon dont ils interviennent. On devient pas, tu sais, on n'est pas des experts encore. Moi, puis Tommy, on a une longueur d'avance, oui, sur les enseignants parce que c'est nous qui les forment, mais on le fait en travail d'équipe. Ça fonctionne vraiment bien. C'est super beau ce qui s'en vient vraiment. Fait que, tu sais, on est là-dedans. Puis moi, je suis beaucoup, tu sais, on est beaucoup, beaucoup dans le cerveau, puis les fonctions exécutives, puis tout ça de mon côté. Puis la bonne nouvelle de l'année, bien, c'est que je deviens temps plein à partir du 1er juillet. Fait que mon poste passe de 25 heures à 35 heures à partir du 1er juillet parce que ils ont réalisé qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de besoins. Puis on a fait la demande, ça a été approuvé par le centre de service. Donc, puis c'est moi qui reste dessus. Il n'y avait pas de danger, je me fasse bomber, pas, j'étais la plus vieille. Tu sais, toutes les conditions étaient réunies pour que ce soit fantastique. Fait que là, je vous en parle, j'ai encore les... Je suis encore émue et contente, puis les yeux dans l'eau, parce que ça fait 10 ans que j'attends ça. C'est sûr, Karine, à quel point j'attends ça depuis longtemps. Fait que c'est ça. Fait qu'on a eu cette bonne nouvelle-là, parce qu'on considère que, qu'avec les satellites, parce que nous, on a beaucoup, beaucoup de satellites autres, là, au trash, puis travail de rue, puis dans une école au CGE, on a une classe à l'hôpital psychiatrique à côté. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de satellites autour, mais moi, je donne service dans tous les satellites parce que je suis toute seule. Fait que là, ils ont bonifié mes heures, fait que je suis bien... Je me considère super choyée, puis vraiment, vraiment, vraiment chanceuse, là. Fait que c'est ça, c'est une super année professionnelle, pour vrai. Les élèves sont, oui, plus à besoin, mais tu sais, on met en place ce qu'il faut pour les aider, puis que les profs deviennent encore meilleurs, puis qu'ils répondent mieux possible au service. Positif chez nous, là, c'est pas tout à fait parfait, mais je pense que c'est bien, bien positif. Clairement, mais tu sais, dans votre P-Vert, vous êtes décrit comme le meilleur centre d'éducation pour adultes au Québec, la référence. Oui, c'est ça, c'est M. Brunel, qui vient de M. Brunel quand même, qui est ma direction, là, mais on travaille fort pour que ce soit vrai, mettons. Bien, c'est vraiment hot. Puis, tu donnes le ton à la rencontre. En fait, c'est notre dernière rencontre. Puis, ce qu'on aime faire dans ces rencontres-là, c'est un peu le tour de table de savoir avec quoi vous repartez cette année, quels sont vos bons coups, que ce soit en accompagnement, en suivi, une réussite d'un adulte, une classe que vous étiez incapable d'entrer puis que vous êtes rentré, un développement de service. Tu sais, c'est avec quoi vous repartez. Fait que je pense que ce partage de bons coups-là va pouvoir aussi en inspirer plus d'un. Donc, Jeanne, quel bon coup d'être à 35 heures semaine après 10 ans. Je sais combien t'as bûché pour atteindre ça, mais effectivement, c'est un besoin. Donc, merci. Est-ce que quelqu'un veut partager un bon coup? Luce Tremblay, parent. Oui, alors, ben moi, j'ai deux bons coups. Le premier, ben j'attendais que ma collègue Sophie se connecte. En fait, cette année, on est 400 dans notre centre de service. Puis, c'est ça, chaque centre a finalement son orthopédagogue à temps plein. Fait que c'est super intéressant parce que, tu sais, en plus des communautés que vous faites avec les après-cours, ben nous autres, on est quand même proches. Fait qu'on est capable de se réunir puis d'échanger justement nos bons coups tout au long de l'année. Fait que c'est vraiment un coup de cœur, là. Fait que c'est ça, Sophie, je la vois qu'elle est branchée, là. Fait que j'apprécie vraiment nos échanges. C'est le fun parce qu'on a aussi, malgré notre proximité, on a quand même des réalités de centres différentes. Tu sais, ma collègue Sophie est dans un très gros centre. Moi, je suis dans un tout petit centre. Fait que nos façons de faire sont différentes, mais on est capable de, justement, prendre ce qu'on veut, dans le fond, des bonnes pratiques des autres. Fait que ça, c'est mon premier bon coup. C'est pas moi qui l'ai fait, là, mais en tout cas, je vous partage cette bonne nouvelle. Puis c'est ça. Puis dans le fond, le deuxième bon coup, je vous dirais que je trouve que cette année, ça fait 3 ans là, que je suis dans mon centre. Puis cette année, je vois vraiment comme le fruit de tout le travail au niveau de la RAI qui se fait dans mon centre. Puis je vous dirais que cette année, la collaboration avec les profs a été... pas avec tous les profs, mais avec certains profs, là, ça a été vraiment sur la coche. On a vécu vraiment des belles réussites. Des élèves, tu sais, qui ont des grandes difficultés, des troubles, TSA, mais qu'on arrive à les amener vers la réussite, là. Fait que, tu sais, c'est très concret comme réussite. Puis quand on réalise que ça s'inscrit justement dans ce modèle-là de réponse à l'intervention, on voit que ça fonctionne vraiment bien. Fait que c'est ça.
ce sont mes deux coups de cœur, mes deux bons coups. Alors, tu as semé pendant 3 ans. Et là, en fait, il est temps que tu récoltes. Donc, c'est super bien parce que quand tu es arrivé, il n'avait que Manon qui était orthopédagogue à Jeanne Sauvé. Et exact. Là, maintenant, là, les 4 centres se sont dotés d'un service d'orthopédagogie. Fait que c'est vraiment un super service aussi à offrir pour les centres, pour aussi pour avoir une cohésion. Puis je sais qu'il y a beaucoup de plus de partage. Donc, Sophie, bienvenue. Tu dois être, si tu es dans un gros centre, tu es à Champlain ou Outremont. Outremont. Ah, c'est ça, hein, Outremont. Oui. Donc, un immense plaisir, puis bienvenue parmi nous. Bien, merci. Puis est-ce que je peux justement parler de mon année? Je viens de faire une boucle d'un an. Et puis, j'avais le plaisir de pouvoir instaurer un service d'orthopédagogie dans un grand centre. Après une longue carrière comme professeur en adaptation scolaire, mais j'ai été 12 ans en pratique privée où est-ce que j'étais beaucoup plus orthopédagogue, un pour un, tout ça. Mais bref, le modèle RAI que j'ai étudié tout de suite en arrivant m'intéresse beaucoup. J'ai donc tout de suite commencé... plutôt que de me faire accrocher sur le cadre de porte, de dire j'ai un élève, est-ce que tu peux? J'ai tout de suite pensé au modèle de sous-groupe. Et si je parle de deux bons coups, ou en tout cas de fierté cette année, c'est que grâce à Fluency Tutor puis Read and Write, deux applications qui permettent une grande efficacité pour mon travail à promouvoir, à améliorer la lecture. J'ai vraiment parlé à la direction en arrivant et j'ai dit, bon, nos élèves doivent lire pour apprendre, mais s'ils n'ont pas bien appris à lire, ils sont mal pris dans toutes leurs matières. Donc, c'est vraiment la lecture que j'ai ciblée. J'ai laissé les mathématiques de côté, même l'écriture. Puis c'est comme ça que j'ai ouvert mes portes à mes services. J'ai eu une quarantaine d'élèves au cours de l'année en sous-groupe de 5 à 7 personnes à chaque semaine, etc. Et ça, franchement, je suis très contente. Mais au fur et à mesure de l'année, bien là, j'ai ouvert d'autres sous-groupes, plus sur la compréhension, puis ensuite sur lecture des énoncés mathématiques et stratégies de résolution de problèmes. Puis je me suis inspirée par une formation que vous aviez donnée avec... Martin Franqueur. Et donc, depuis l'hiver, j'ai créé deux sous-groupes là-dessus, mais encore en gardant la lecture, compréhension de la lecture et les stratégies. Alors, je suis très contente de mon année. Et puis, je suis désolée de ne pas avoir pu participer avant à vos après-cours, mais j'étais là. Puis, la collaboration avec Luce aussi a été formidable. Et d'ailleurs, j'espère, Luce, on s'en reparlera, qu'on va faire notre camp d'été. On a décidé qu'on se faisait un petit camp d'études toutes les deux, de travail en communauté, en collaboration. Alors, je suis très contente. Bien, il y a de quoi être contente, en fait, de faire ça dans une année. Vraiment, bravo. Puis, juste d'arriver en FGA, ça prend comme un an avant de s'approprier tout le vocabulaire. Donc, si j'ai le goût de juste rappeler les services de l'équipe CHOC, des services éducatifs complémentaires, puis aussi tout ce qu'on peut faire aussi si l'année prochaine vous accueillez ou l'équipe d'ortho se rend floue et que vous avez besoin d'aide, bien, tu sais, sachez que je peux venir passer 1, 2, 3 journées pour regarder comment structurer, comment mettre en place des services, que ce soit au niveau là, du psychosocial, au niveau de la vie étudiante, au niveau de l'orthopédagogie ou du soutien. Donc, tu sais, j'ai fait ça avec Julie Couette. Julie, je t'ai vue. OK. Julie, on s'est rencontrés 3 jours, Nicolet, Victoriaville, Drummondville, puis ça a été super enrichissant. Ça donne une bonne heure d'aller, donc n'hésitez pas. Puis du côté de Karine, bien, Karine, est-ce que tu veux présenter l'équipe CHOC? Parce qu'on a parlé de CUA, puis on a parlé de RAI, et c'est souvent des sujets de formation qui peuvent vous servir dans vos centres.
Bien, en fait, Karine est en train de vous présenter. Là, tu présentes ton site à toi. C'était le mien que tu voulais présenter. Ah, via ton site à toi, d'accord. Ouais. Alors, via le site de Karine des services éducatifs complémentaires, vous pouvez accéder au site de l'équipe Choc. Celle, on est juste des filles à part Richard, mais Richard connaît ça. Donc, celles qui ne connaissent pas l'équipe Choc, c'est un mandat qui a été déposé en 2020 qui vise à répondre aux besoins de formation de tous les centres FGA et FP au Québec, mais formation dans les trois volets des services éducatifs complémentaires, c'est-à-dire le soutien à l'apprentissage, la promotion de la santé du mieux-être et puis le déploiement de la vie étudiante. Ah, je suis désolée, Charles, je n'avais pas vu, je ne voyais pas tout le monde dans mon petit... Donc, c'est ça, dès que vous avez dans votre centre des besoins d'accompagnement, de formation, vous avez besoin de soutien pour réfléchir à des thématiques qui sont en lien avec un de ces trois volets-là, bien, vous pouvez faire appel à l'équipe Choc des services éducatifs complémentaires qui va envoyer dans votre milieu une ressource qui est quelqu'un qui est déjà dans le cadre, qui travaille déjà dans le cadre de la FGA ou de l'AFP et qui va aller qui a développé par intérêt ou par un concours de circonstances dans son milieu de travail, qui a développé des intérêts particuliers, qui est donc en mesure d'aller former et déployer cette expertise-là dans d'autres centres à travers le Québec. Et ce qui est fabuleux, c'est que c'est complètement gratuit. Mais je tiens à dire, par contre, parce qu'il y a peut-être de la publicité qui s'est faite de la mauvaise façon. On ne va pas dans les centres pour animer une journée pédagogique. Là. On ne se pointe pas dire on vient faire un 3 heures sur une thématique puis on s'en va après. C'est vraiment dans le but de répondre à un besoin puis il doit y avoir au préalable une analyse de ce besoin-là. Puis on essaie de voir aussi dans le futur comment est-ce qu'il va avoir, quel genre de mécanisme va être mis en place pour assurer que la formation qui va être donnée perdure, se déploie et s'installe de façon durable dans un centre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit répondre à un besoin et on doit avoir un projet à plus long terme. Donc, ça implique quelques rencontres avec les gestionnaires ou les responsables, du moins, pour réfléchir à tout ça ensemble. Donc, vous n'hésitez pas si vous avez des besoins. Notre calendrier commence à se garnir pour l'an prochain, et de même que le site web, donc il y a de plus en plus de propositions de formation qui sont déposées. Si vous ne trouvez pas ce que vous souhaitez, on peut le construire avec vous et pour vous, donc tout est personnalisé et gratuit. Donc, vous n'hésitez pas, si vous avez des besoins dans votre centre, bien, vous pouvez nous contacter, ça nous fera plaisir de vous accompagner. Vraiment, des beaux outils. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais on est interpellés, on reçoit beaucoup de demandes là, pour les interventions pour la clientèle immigrante, comprendre le parcours migratoire, les chocs post-traumatiques, quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment là, des beaux outils. Puis pour travailler la conception universelle de l'apprentissage aussi, la réponse à l'intervention, bien, c'est une belle analyse. Il y a des journées pédagogiques qu'on peut faire avec les enseignants, mais il y a aussi tout un travail en arrière qu'on peut offrir. Donc, merci, Karine. Il y avait Mélissa là, qui avait la main ouverte depuis vraiment longtemps. Tu as dû abaisser parce que tu as dû avoir mal aux mains. Moi, je commençais à avoir le bras engourdi. Je voulais faire part là, de mes coups de cœur de mon côté. Je suis arrivée en janvier en FGA. Puis, j'ai eu beaucoup à apprendre rapidement parce que avant mon arrivée, Cindy était dans la phase de CP. Donc, côté orthopédagogie, là, ça faisait un moment que les élèves n'avaient pas eu de suivi individualisé. Donc, je suis arrivée, j'ai commencé par des cliniques d'outils techno parce qu'on avait plein d'élèves qui avaient des outils techno, mais qui ne les avaient pas utilisés au secondaire, qui ne se souvenaient plus ou qui avaient besoin d'un rafraîchissement. Donc, j'avais comme, moi, je l'appelais mon sans rendez-vous. Les élèves pouvaient venir. Là, j'avais une plage le vendredi après-midi. Puis les élèves savaient, puis ils venaient, puis ça a comme fait un blitz d'élèves que j'avais à voir plutôt que les voir individuellement. Là, je les ai vus comme en grand groupe, puis on pouvait travailler plusieurs stratégies tous en même temps. Dans la même lignée des sous-groupes, on avait 3 élèves CSA qui s'en allaient faire leur oral de secondaire 4. Et animer la discussion étant un défi pour cette clientèle. J'ai travaillé avec eux à partir des ateliers de Laurent Demers, pour ceux qui connaissent, sur l'enseignement de l'oral. J'ai pris les parties qui m'intéressaient de ces nombreux ateliers qui sont clés en main et très pratiques. J'ai parti de ça, puis les élèves sont en cours de présentation orale. J'en ai une sur 3 qui est en réussite. Donc, ça a porté fruit pour des élèves avec qui la discussion, c'était vraiment un grand défi, puis que ça causait beaucoup de stress.
Donc, j'ai fait un accompagnement. J'étais supposée avoir une TES avec moi pour faire le volet anxiété, stress. Malheureusement, elle est partie en arrêt de travail. Mais j'ai pu faire un peu de pouce là, avec mes petites connaissances sur la gestion du stress et l'atelier hors-piste. C'est un atelier que nos élèves suivaient. Donc, ça serait ça mes coups de cœur. Là, j'ai été super bien intégrée dans l'équipe. Donc, ça a bien été. J'ai arrivé à faire plein de choses déjà. Déjà, en 6 mois, c'est tu peux te donner une petite tape dans le dos, Mélissa. C'est bon. Tu m'entendais pas? Ah non, c'est moi qui avais fermé mon son parce qu'elle parlait, je suis désolée. Parce qu'on est dans le même bureau, tu sais, c'est quand même. Ben, vas-y, Cindy, d'abord. Mon coup de cœur, c'est Mélissa, c'est l'arrivée de Mélissa. C'est venu me donner un coup de main, là. J'ai commencé l'année seule, là. J'ai commencé à trouver ça un peu difficile. Puis Mélissa est vraiment, ça a vraiment apporté un vent de fraîcheur, là. Tu sais, des nouvelles idées. Quand ça fait longtemps aussi que tu es dans la même chaise, dans le même milieu, dans le même mode, à un moment donné, tu prends un air d'aller, puis on dirait qu'on voit moins. Puis ça a vraiment fait du bien à moi, puis à l'équipe au centre. Ben, c'est ça, effectivement, on avait comme plus de service direct à l'élève, là, pendant les premiers mois. Fait que vraiment, elle nous donne vraiment un très, très grand coup de main. Fait que mon coup de cœur, c'est de travailler avec Mélissa cette année. Puis je suis contente parce que je la garde l'année prochaine. C'est un super beau coup de cœur, super fils. Mais tu sais, en fait, le travail d'équipe, c'est vraiment ça qui nous rejoint. Là, puis c'est, on voit vraiment l'importance. Là. Fait que vraiment, bravo les filles. Est-ce que quelqu'un veut continuer? Alexandra. Mais oui, je vais y aller avec mon coup de cœur. Nous, on a découvert cette année comment travailler avec les albums. C'est quelque chose qu'on n'avait pas fait. J'avais travaillé en niveau 3, les cercles de lecture. Je pense que c'est Luce qui m'avait donné cette idée-là, bien, qui nous avait donné l'idée à l'après-cours l'année passée. Puis j'avais fait du niveau 3 en compréhension et interprétation, puis ça avait été vraiment intéressant. Mais c'est difficile quand on prend un livre qui peut nous demander un certain temps. Donc, dans le temps, il faut s'assurer que l'élève soit là, puis qu'il ait lu un petit bout, puis qu'on lit ensemble. Donc, ça, c'est difficile. Puis aussi, dans nos niveaux 1 et niveau 2, je sais pas que j'en fais, mais parfois, je fais du co-enseignement avec les enseignants. Puis c'est ça, le problème des cercles de lecture. Nos élèves, ils arrêtent, ils reviennent. Donc, ça, c'est difficile. Donc, notre petite alternative, c'est les albums. On a découvert ça à la CAP cette année en français. Sur le tard. Donc là, on est en mode de s'approprier comment on veut le travailler, puis on l'implante vraiment l'année prochaine. Nous, on s'est fait un petit padlet. Je ne sais pas si je peux partager. Oui, vous voyez bien. Donc là, ce qu'on s'est fait, c'est qu'on a regardé quel album était pertinent de travailler, parce que si on y va avec des albums, tu sais, il ne faut pas que ce soit trop bébé non plus, mais il y a vraiment des albums qui sont intéressants pour travailler avec les adultes. Nous, en tout cas, la personne, c'est une conseillère pédagogique qui nous en a présenté, puis ça a vraiment changé notre vie. Donc, notamment, comment j'ai raté ma vie, là, c'est vraiment intéressant. D'abord, elle nous a fait de la lecture sans les images, puis là, on s'est fait des idées, on a parlé de notre compréhension. Après ça, on présente les images, puis les images disent le contraire du texte. Là, on s'est mis à analyser, interpréter. Puis, ça prend moins de 10 minutes à lire. Donc, on peut travailler ça facilement en sous-groupe, en petit groupe, en moins d'une période. Si on a juste un petit 30 minutes pour travailler avec les élèves. Donc là, nous, on est en train de faire le tour de nos bibliothèques, de regarder avant de les commander, de les acheter. On se fait un petit répertoire, qu'est-ce qu'on aime. On regarde qu'est-ce qui s'est fait aussi, le matériel qui s'est fait par rapport à ça. Donc, avec le Padlet, ben, par exemple ici, la cigale, ben là, on regarde les activités qui sont déjà créées sur Internet, qu'est-ce qu'on veut travailler, nous, par rapport aux 4 dimensions de la lecture. Fait que c'est ça qu'on a mis en place, fait qu'on a déjà fait nos commandes, qu'est-ce qu'on veut commander, qu'est-ce qu'on a comme inventaire, pour que l'année prochaine, dès le début de l'année, on parte avec ça. Voilà. C'est malade. Oui, si jamais il y en a que ça intéresse, je peux faire, je pense, un genre de PDF d'un Padlet, puis je pourrais le partager dans la conversation. Est-ce qu'on va pouvoir cliquer sur les liens des livres et des activités? Tout va être cliquable. Je l'ai testé tantôt, je pourrais vous l'envoyer. Alors, c'est ça, nous, on l'a fait comme ça, mais tu sais, c'est en évolution, puis toute l'équipe travaille là-dessus. Puis ce qui est intéressant, c'est tous les niveaux. C'est pas juste un seul niveau, là. Vraiment, c'est pertinent pour tous les niveaux, du pré à secondaire 5.
On peut travailler la grammaire avec ça, on peut travailler la compréhension, le vocabulaire, les inférences. Moi, je pensais même faire des groupes de fluidité parce que souvent, les élèves sont dans le rouge en fluidité, puis on ne sait plus trop comment le travailler parce qu'on dirait que c'est tout le temps à refaire, mais on pourrait le faire, la fluidité, à même un atelier de compréhension. Tu sais, ça se fait bien. On peut travailler l'écriture parce que là, à la suite de la lecture d'un album, on peut donner l'intention d'écriture. On peut travailler avec ou sans des images, une source de motivation. Et nous, on veut beaucoup travailler les stratégies non visibles parce que, bon, on a travaillé beaucoup les visibles, mais les stratégies non visibles, c'est difficile des fois à être sûr que l'élève le fait. Puis l'album nous donne ce prétexte-là parce qu'on ne peut pas aller annoter les beaux albums. Là. Ça, on va en avoir un ou deux. Donc, on ne peut pas aller écrire dedans à moins qu'on mette un acétate dessus. Donc, c'est là où on va dire à l'élève, bon, mais t'as-tu fait des stratégies de lecture? Ben non, j'en ai pas fait, je peux pas écrire dans mon album, mais on en fait quand même, on prend des pauses, on se questionne. Fait que c'est ça qu'on va travailler avec les albums l'année prochaine, mais c'est mon coup de cœur de cette année parce que c'est notre découverte. Bien là, on est comme tout jaloux parce que je vois les faces tomber. Fait qu'effectivement, d'ici la fin de la rencontre, tu peux partager. Oui. Soit le Padlet ou soit en PDF, là, ça serait vraiment intéressant. Je pourrais mettre le Padlet, mais peut-être que je fasse un clone parce que nous, on est comme dans une équipe de Padlet. Puis si vous voulez vous-même vous le cloner ou le bonifier juste pour qu'on garde notre Padlet source entre nous autres, mais il n'y a pas de problème, je peux le partager. C'est juste par rapport à la modification du Padlet. Je ne connais pas trop. Puis si vous voulez commencer vraiment avec un album pour vraiment vous gâter, là, j'irais vraiment avec comment j'ai raté ma vie, aller avec celui-là, puis vraiment, il faudrait quasiment regarder pas les images, juste le texte, puis après ça, avec les images, puis nous, on le fait dans notre équipe, fait qu'on a comme, on s'est modélisé une façon de faire, puis je pense que ça a donné le ton pour l'année prochaine. Tout de suite, ça nous a donné très, très, très envie. Puis c'est simple, il y a des albums qui demandent peut-être plus de temps de lecture, là, une douzaine de minutes, mais il y a des albums qui, en 3 minutes, c'est lu, donc « Ah, t'as lu un album. Ah, j'ai lu aujourd'hui. » Puis ça fait différent de la nouvelle littéraire qui est un texte plus court. Ça fait différent. Puis il y a des albums qui sont plus dans le descriptif, d'autres dans le narratif. Fait qu'on peut aller jouer avec les séquences aussi. Voilà. C'est vraiment fou. Vraiment, merci beaucoup. Ça donne vraiment le temps. Puis si tu me permets, dans le fond, parce que tu as dit que tu avait été inspirée par Luce et les ateliers de lecture. Bien, je vais juste faire le chemin parce que je sais qu'il y en a que c'est leur premier après-cours. Donc, sur le site même là, des après-cours, dans notre communauté orthopédagogie, bien, cet été, là, si vous êtes professionnel et que vous n'avez que quelques semaines de vacances, moi, je vous invite à aller voir le document collaboratif qui fait foi là, de toutes les rencontres avec le chapitrage et tous les liens, mais aussi d'aller voir la bibliothèque de ressources qui, lorsqu'on présente, bien là, je suis vraiment désolée, lorsqu'on présente une ressource, bien, elle est déposée là, donc c'est Internet, une activité, donc vraiment essayer de regarder la bibliothèque de ressources et de vous connecter au bon compte de Google. Là. C'est à cause de moi, là. Mais vraiment du beau travail. Puis de commencer par ça, lorsqu'on est nouveau, bien, ça fait du beau développement. Puis on va se faire une tête, puis on va voir que bien, c'est un groupe de co-construction. Hein. Donc, on s'échange, on partage, puis on développe de nouvelles stratégies d'intervention. Merci, Alexandra. Merci. Est-ce que quelqu'un veut poursuivre? En fait, pour nous, notre coup de cœur cette année, c'est un travail qu'on a fait avec toi, Karine. C'est notre procédure pour les mesures adaptatives, l'utilisation des outils technologiques en apprentissage et en évaluation. En fait, on avait déjà une procédure, mais avec toi, on l'a bonifiée grandement parce qu'on a mis des cadres de temps, des délais dans lesquels les enseignants doivent faire des interventions. Et à la demande des enseignants, plusieurs enseignants nous disaient que les élèves ne voulaient pas utiliser leurs mesures adaptatives. Alors, on a intégré dans cette procédure-là, une façon de faire pour permettre le retrait des mesures de soutien en lecture et en écriture si l'élève manifestait le besoin. J'inviterai ma collègue Catherine à partager là avec moi
notre démarche, parce que moi, j'ai été absente quand même 4-5 mois. Alors, c'est ça. C'est, historiquement, ça fait plusieurs années là, qu'on a une procédure qui existe pour faire des mesures, pour admettre des mesures adaptatives auprès de nos jeunes. Mais c'est un work in progress, hein? C'est tout le temps, c'est ça. Fait que c'est ça. On l'a adapté pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Ce qui est important de souligner. Oui, vas-y, Catherine. Excuse-moi, Brigitte, est-ce que tu peux qu'on mette un visuel pour le schéma? Est-ce que vous en avez besoin? Sans passer au travers, juste dire que bon. Parce qu'en fait, on a fait deux procédures. On en a fait une si l'élève arrive du secteur jeune avec un plan d'intervention et qu'on devait, bon, reconduire les besoins. Et on en a fait un si notre élève arrive sans plan d'intervention, c'est un élève, je veux dire, adulte, par exemple, un trentenaire dont l'enseignant évaluerait qu'il y aurait un besoin. Donc, on en a fait deux sections pour éviter d'en échapper. Là, c'est vraiment, je veux dire, le plus complexe parce que là, on a affaire à un élève qui arrive et qui n'a aucun plan d'intervention, qui n'a pas de pays. Et on demande à l'enseignant de travailler à travers ce schéma-là. Ça permet aussi à l'enseignant ça oblige, je veux dire, on va dire les vraies affaires, à l'enseignant de faire ses suivis et de s'assurer de connaître son élève. Donc, pendant le premier mois, il va devoir porter attention, écrire des notes, savoir, bon, documenter est-ce que son élève a des besoins. Là, je vais essayer de passer un petit peu vite parce que je sais que ça peut être bien lourd, là. C'est ça. Il va appliquer les interventions universelles dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est efficace ou c'est pas efficace? Mais il doit surtout documenter. C'était peut-être un petit peu ça qu'on voulait faire cette année, nous, mettre en place, là. Documenter les accompagnements suivis d'élèves. Si, par exemple, tout est beau, tout va bien, son élève fonctionne bien, parfait, on laisse ça, là. C'est documenté, mais on laisse l'élève poursuivre. Si ça ne va pas, que les interventions sont inefficaces, là, on embarque dans notre procédure. On est ici. Ben, là, c'est ça, on est rendu à peu près à la quatrième, cinquième semaine, là. Mais quand on a complété le numéro TOSCA, c'est encore là, faire les suivis documentés. Et il va devoir faire dans ce cas-ci. Ça, c'est vraiment la procédure la plus complexe. Les autres, là, c'est tellement le fun. C'est qu'on va faire une activité, l'enseignant va faire une activité diagnostique à son élève. Et je vais te passer le flambeau, Brigitte, parce que... Oui, en fait, les activités diagnostiques, parce que je sais qu'on s'était fait poser la question, c'est ni plus ni moins des activités d'apprentissage qui sont dans les modules de nos élèves. Alors, on n'a pas inventé quoi que ce soit, on est allé chercher des activités que les enseignants de français, maths, anglais jugeaient pertinentes pour faire la démonstration de l'utilisation des mesures adaptatives. Et à partir de ça, de là, si on voit que l'élève n'utilise pas suffisamment bien ses outils, bien à ce moment-là, c'est les enseignants qui doivent prendre la relève pour pouvoir permettre aux élèves là, de mieux utiliser leurs outils d'aide. C'est bon? Ça, c'est le mot difficile. OK. Oui, on va continuer, Catherine, OK? Oui, effectivement. Donc, mais par contre, comme vous savez, on a des fois des élèves qui arrivent avec un pays du secteur jeune. Alors, simplement, nous, ce qu'on fait, on analyse le pays et on reconduit immédiatement les besoins. Donc, c'est ça, Catherine, c'est ici qu'on respecte la Charte des droits de la personne. C'est ça. Donc, on va créer un PAP tout de suite avec les besoins démontrés. Par contre, on veut s'assurer, et l'élève va pouvoir utiliser son apprentissage, mais on veut s'assurer qu'avant d'arriver en évaluation, l'enseignant soit allé valider si les mesures, que les outils sont utilisés de façon efficiente. Il y avait une collègue tout à l'heure qui parlait qu'elle avait fait des espèces de cliniques là, sur les outils technologiques, l'utilisation des outils technologiques. C'est aussi quelque chose avec lequel on a eu à travailler. Donc, on demande aux enseignants, avec un soutien, d'aller valider ce genre de choses-là. Et encore là, comme pour toutes les procédures qu'on a mises en place, ce n'est pas faire la procédure, c'est un peu d'amener l'enseignant à voir son élève, à s'occuper de son élève, à connaître son élève. C'est surtout ça qui est en arrière. Et encore là, je fais du pouce sur les, comment on appelle ça tantôt, les changements... Changements de pratique. Voilà, merci. C'est tout là-dedans. Donc, le petit nouveau... C'est quand l'élève ne veut pas utiliser les mesures adaptatives.
Oui, effectivement, parfois, on a certains élèves qui, quand vous savez, là, quand ils arrivent du secteur jeune, ils veulent un petit peu faire table rase. Puis dire non, 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 moi, je n'avais pas d'outils, j'en veux plus, tout est correct, je suis myope. C'est possible. À ce moment-là, ben, on va l'accompagner là-dedans, mais on a mis une procédure en place parce qu'on veut qu'il soit très, très conscient de ce qu'il est en train de faire. Parce qu'évidemment, il y a une suite. Hein. Nos élèves ne vont pas toujours terminer après le DES ici ou en s'en allant au DEP. Il peut y avoir une suite. La fin du monde, ce n'est pas au secteur adulte. Et aussi, on a constaté que certains enseignants qui, des fois, sont, je dis le terme, réticents, à donner les mesures adaptatives pour des raisons qui leur appartiennent. On va en rester là. Donc, sans vouloir faire quelque chose d'aussi complexe que pour donner des mesures, on s'est dit, ben, il faut quand même que ça soit complexe et non pas le prof tout seul ou l'élève tout seul à son bureau qui dit, moi, j'en ai plus. Ou non, mon élève, on n'a plus besoin, j'irai mieux qu'eux. On s'est dit, OK, c'est beau. Qu'est-ce qu'on va faire? On a fait un document puis une procédure en deux temps. Là. Puis, est-ce que tu l'as, le document, Richette, mettons? Oui. C'est de changer de partage que c'est un défi pour moi. Je sais pas. Je vais continuer. Est-ce que vous le voyez? Moi, je vois encore le schéma bleu. Ouais, on voit le schéma. C'est ouais. Ça. Alors. En fait, le document, ce qu'on dit, c'est que l'élève doit, s'il est mineur avec son parent, être rencontré par l'enseignant-tuteur, l'orthopédagogue, l'élève avec son parent et la direction adjointe. Donc, ça doit être quelque chose d'équipe. Et l'élève va dire, d'accord, je vais me présenter, je vais aller en salle d'examen, faire une situation d'apprentissage sans mesure. Ah, voilà. Donc, il doit s'engager là-dedans, ça va faire son commitment. Donc, il va y aller sans mesure, sans aide. Et on va vraiment bien lui expliquer que si on procède là-dedans, éventuellement, en retirant complètement les mesures, on ne pourra pas les remettre, les mesures, là, comme ça, si tu as changé d'idée. Donc, il va le faire. La situation d'apprentissage va être corrigée par l'enseignant, vérifiée par l'ortho aussi. On veut s'assurer encore là qu'on n'est pas un prof qui prend sa décision tout seul dans son bureau. Là. Et on re-rencontre l'élève, on dit, voici, tu as obtenu tel résultat. Est-ce que tu es encore à l'aise avec ça? Et là, on arrive à la deuxième page, dans le fond. Là. On va un petit peu plus bas. Alors donc, là, on retire complètement les mesures. Donc, c'est terminé. Si après, des fois, on se pose la question, oui, mais si l'élève, dans 3 mois, il dit, oh, pédum, finalement, j'ai changé d'idée, moi, ça me tente de revoir mes mesures, bien, c'est fini, final, le bâton. Il doit recommencer le processus du début. C'est pas comme l'image qu'il y a. Tu sais, l'ex-chum qui revient, je t'aime plus. Non, 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 c'est terminé. Tu as fait le processus, tu as pris ta décision, ton père était d'accord, tout le monde a entériné la patente. Si tu veux recommencer dans quelques mois parce que tu as passé au cégep, parce que tu te rends compte que, oups, c'est pas si simple que ça, c'est dommage, mais on recommence. Encore là, c'est pas d'être méchant, bête et cruel, c'est comme ça quand on s'engage. C'est ça. Fait que là, c'est ça. On en est là. Et toute cette procédure-là est accompagnée d'un suivi des élèves en équipe une fois aux 5 semaines avec la direction, les enseignants et les services complémentaires pour accompagner, style Saran Wrap, les élèves qui ont des plus grands besoins. Ouais. Puis en fait, nous, on l'applique depuis février à peu près. On l'a mis en place à ce moment-là. C'est sûr qu'on a eu des ajustements parce que tout est perfectible, mais je dirais que sérieusement, dans l'ensemble, c'est apprécié, ça fonctionne bien. Puis les quelques éléments qui n'étaient pas à l'aise avec ça, tranquillement, pas vite, ils n'ont pas le choix de suivre le groupe. Puis c'est encore là, on travaille toujours pour l'élève. Dernière chose, c'est qu'on a mis en place aussi un répertoire parce qu'on se rendait compte qu'il y avait des documents un petit peu partout. Puis c'était souvent, comme des fois nos élèves nous disent, oui, mais je ne sais pas c'est où. Alors, on a créé un répertoire qui est un recueil de toute la documentation. C'est vraiment, là, on les prend par la main, là. Donc, on a ça. Ah, là, on fait par toi en plus. Donc, toutes les informations, autant les tutoriels, comment utiliser les outils technologiques, autant chacune des activités, chaque document. Des fois, c'est juste des idées qu'on a lancées quand on fait de la qualité de lecture, des tutoriels, bon, peu importe. Là, on les a tous mis aux bons endroits, puis on les a mis par matière, par niveau aussi. Fait que quand un prof nous dit, je ne sais pas si où, on envoie sur le lien. Que ça ressemble à ça.
Fait qu'on a amélioré l'efficacité de la, pour les enseignants pour aller chercher les activités diagnostiques pour faire la procédure. Voilà. C'est vraiment très, 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 très hot. C'est vraiment tout un travail. Vous avez vraiment travaillé super fort, là. Ça a été un travail colossal. On essaie d'avoir une langue commune, en fait, parce qu'on se rendait compte à un moment donné qu'il y avait beaucoup de termes qui étaient un peu ortho, un peu prof, puis qu'on perdait beaucoup de temps à réexpliquer. Quand on disait aussi nono que dire logiciel de la correction, il fallait écrire en parenthèse, et je le fais encore, antidote. C'est parce que c'est ça, je n'écris pas dans le pack, là, mais pour qu'à un moment donné, il vienne à... Ça se trouve, la musique. Ça devienne un automatisme, puis aussi tendre la main, je veux dire, pour pas qu'on soit... Chacune la petite bulle d'ortho, la petite bulle de... Fait qu'on voulait ça, puis je pense que oui, ça va bien. Je suis pas mal sûre que ça va bien. Oui, bien, ça fait en sorte que les enseignants se préoccupent de leurs élèves qui ont le plus de difficultés plus tôt dans leur arrivée chez nous. Oui. Ça a été présenté à la TRIAC, votre projet, puis il y avait... plusieurs directions qui étaient présentes et qui semblaient des gestionnaires qui avaient de l'intérêt. Donc, s'il y en a parmi les autres qui ont vu, qui ont des gestionnaires qui sont allés à la TRIAC, peut-être qu'ils possèdent déjà là, le référentiel et qui ont pris des notes par rapport à ce projet-là. En tout cas, s'ils ont besoin de plus d'informations, ils peuvent communiquer avec nous, ça va nous faire plaisir. Yep. Eh bien, écoute, un immense merci. Puis je sais que les bloc-notes sont transférables, donc tu sais, on pourrait regarder à ce qu'on puisse le partager parce que des activités diagnostiques, bien, tu sais, s'ils sont déjà ciblés, s'ils regardent les diverses compétences, bien, ça serait super intéressant. Cindy? Oui, moi, je voulais juste savoir dans la section des élèves qui ont déjà des mesures, là, quand vous dites que les mesures sont autorisées directement, de quelle façon vous l'officialisez? Est-ce que c'est un mémo TSCA? Est-ce qu'il y a un... Tu sais, parce que ça doit être autorisé en théorie par la direction. Fait que je me demande juste, c'est quoi la procédure? Là, tu sais, je comprends que là, vous faites la lecture des DAP, vous identifiez c'est quoi les mesures qui étaient déjà utilisées, mais la façon comme de l'officialiser, c'est quoi votre méthode? En fait, on va vraiment documenter avec l'activité diagnostique concernant l'utilisation des outils d'aide en lecture et en écriture. Il faut que l'élève, après un certain délai, là, je pense que c'est 4-5 semaines d'utilisation dans la classe, il va faire une activité sans aide avec ses outils technologiques et l'enseignant va le corriger. Si... l'enseignant juge que les outils sont suffisamment bien utilisés pour avoir une réussite à l'exercice, l'enseignant va le corriger, nous le remettre, et après, nous, on va aller, la façon dont notre plan d'apprentissage est fait, on met les mesures adaptatives en situation d'apprentissage, et après, on va venir confirmer toujours dans le plan, que les outils d'aide sont bien utilisés et permettraient une réussite en salle d'examen de façon autonome. Puis ça, là, ces deux étapes-là sont apparues dans notre procédure après une rencontre avec l'avocate de la commission scolaire. Parce qu'on a eu des petits problèmes, des parents qui se sont plaints que les élèves qui avaient des mesures adaptatives en juin au secteur jeune ne les avaient plus chez nous en août. Puis effectivement, ça n'a aucun sens. Là. Fait que c'est pour ça qu'en apprentissage, ils les utilisent, mais avant d'aller en examen, ils doivent démontrer qu'ils les maîtrisent bien. Tu as répondu à ta question, Cindy? Parfait. Puis ça a été vraiment, un immense travail avec vous, là, Brigitte et Catherine, puis toute votre équipe. Ça s'est intégré aussi dans les CAP, là, les suivis aux 5 semaines. Et le travail avec le secrétariat général, donc les avocates du centre de service, ça a vraiment été une belle porte d'entrée pour certains sceptiques. On essaie de sensibiliser, on essaie d'éduquer ou quoi que ce soit, mais pour des gens qui n'ont des fois pas eu de troubles d'apprentissage, qui n'ont pas été confrontés à ça, bien, de passer par le cadre de la loi, de présenter la charte, la LIP, nos droits et devoirs en tant qu'enseignant puis en tant qu'institution scolaire. Donc, ça le fait là, des remous. Je dirais qu'il faut des directions du personnel
professionnel qui est là, mais en même temps, ça l'a rallié, puis il y a une meilleure cohésion, une meilleure assurance. Vraiment, bravo à... C'est vraiment un pas dans la bonne direction. Un pas de plus dans la bonne direction pour soutenir nos élèves qui en ont le plus de besoin. Oui, vraiment. Puis est-ce que vous me permettez de prendre 5 minutes pour parler du projet WAR? Parce que je crois que tu sais, ça s'insère vraiment là, là-dedans. Puis je vous en ai parlé un peu ici et là, là, sans l'officialiser, le projet WAR, tout au long de l'année. Bien, ça, c'est clair que c'est mon bon coup, là. C'est pour ma part, mais je pense que ça fait des petits, puis ça va mettre un peu l'image à ce qui s'en vient. Donc, est-ce qu'il y en a qui s'opposent? Non? OK. Je vais tenter de faire ça vite, là, mais OK. Mais écoutez, le projet WAR, là, c'est un projet où est-ce qu'il y a 23 enseignants, 7 centres de services scolaires, 90 élèves qui viennent répondre aux besoins de la clientèle qui est FBC. On sait que notre clientèle qui est en FBC, particulièrement en présecondaire, a différents défis. Donc, moi, l'an dernier, quand j'étais arrivée en poste, j'ai documenté ça. Donc, nos adultes de la formation à FBC, ils arrivent majoritairement des secteurs alternatifs avec un DAP. Déjà, ils ont plein d'interventions, mais ils utilisent peu ou ils maîtrisent peu les outils technologiques. Sinon, ils arrivent de la francisation et on le sait que le passage francisation FG, c'est vraiment quelque chose qui est difficile. Ce que l'on fait, ce qui est compris par les lignes directrices, c'est vraiment qu'on doit réévaluer le besoin. Donc, souvent, ce que l'on fait, quand ce n'est pas officialisé, c'est qu'on attend qu'il y ait un besoin puis on répond à l'urgence quand mon élève est à 2 échecs. Quand mon élève est à 500 heures. Ensuite de ça, j'étais allée comme documenter la situation des enseignants de la FBC. Donc, il y a encore un enseignement qui est individuel avec les cahiers d'apprentissage. On a de la difficulté à maîtriser c'est où les savoirs essentiels puis à faire de l'enseignement qui est magistral. Il y a un peu plus d'animation en FBC, mais tu sais, on est vraiment là par petit, par parcimonie. Ce ne sont pas des enseignants d'adaptation scolaire généralement. Donc, au niveau de les connaissances des troubles d'apprentissage et des besoins des élèves, on a une très grande difficulté. Il y a une majorité d'élèves qui peuvent utiliser des outils d'aide. Donc, on avait fait l'analyse avec des groupes de, par exemple, 20, puis 15 élèves sur 20 pouvaient les utiliser, mais en même temps, ce n'était pas proposé, ce n'était pas non plus enseigné. Et ils vont aller consulter les professionnels, ça veut dire le CP, l'orthopédagogue, la TES, lorsqu'il y a vraiment une situation problème, donc pour pallier aux difficultés. Et les CP récits avec qui je collabore à tous les jours, les CP récits, ils étaient peu interpellés au niveau de la clientèle FBC, travaillaient majoritairement à répondre aux besoins avec le renouveau pédagogique là, des dernières années de la FBD, puis peu interpellés pour répondre ou avoir un questionnement sur l'utilisation en aide à l'apprentissage. Les orthopédagogues ou les CP adaptation scolaire, dépendamment des milieux, il y a énormément de temps là, qui est pris à analyser, rédiger les dossiers d'aide. Ça, je pense que vous allez tout pouvoir me le dire. Là. Il y a peu d'activités de prévention, donc on intervient peu en prévention. On est toujours interpellé lorsqu'il y a vraiment une difficulté puis que l'élève est sur le bord d'être dirigé vers la sortie. Rentrer dans les classes, c'est vraiment compliqué parfois. Donc, des interventions en 6 groupes, c'était vraiment compliqué. Puis, elles doivent soutenir les élèves dans l'appropriation des outils numériques. C'est encore une fois, c'est l'orthopédagogue qui va miser à utiliser puis coacher l'élève. Alors que quand on a 80% de notre classe qui peut les utiliser, bien, c'est beaucoup mieux de les utiliser en classe et d'avoir un enseignant qui va modéliser, qui va les utiliser pour modéliser, pour avoir, tu sais, pour montrer à son élève comment les utiliser et réfléchir par rapport à ça. Nos conseillers pédagogiques, lorsqu'on en a, là, je vois Maud de Rimouski là, qui n'a pas de conseiller pédagogique depuis plusieurs années, aussi Julie à Drummondville, mais il y a beaucoup de temps qui est consacré par les conseillers pédagogiques pour chercher du matériel, des évaluations, puis regarder à chercher du matériel. Mais pour vrai, là,
le matériel, quand on regarde la liste des savoirs essentiels en FBC, il y a vraiment beaucoup de regroupement qui est fait. Le parcours des élèves en FBC d'un centre à l'autre est vraiment divergent. J'ai des centres qui vont offrir du P101 ou P107. J'ai des centres qui vont offrir le P102, P104, P107. Tu sais, il y a vraiment quelque chose à repenser dans tout ça. Ils vont savoir que les parcours scolaires sont différents d'un centre à l'autre. Et donc, savoir qu'est-ce que sont les savoirs essentiels, savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil, ce n'était pas là. Et les conseillers pédagogiques de la FGE, bien, souvent, ils ne sont pas là, ils ne sont pas nécessairement dans le centre. Mais pour répondre aux besoins, là, des fois, là, des outils technologiques de base pour soutenir la compétence numérique des enseignants et des élèves, bien, c'était vraiment quelque chose qu'on avait noté à partir de rencontres qui étaient à retravailler. Donc, le projet WOW, ce que j'ai fait, c'est que j'ai présenté ça, dans le fond, au service complémentaire puis à mes patrons. Puis, on a eu un financement aussi pour libérer les enseignants à raison de 5 fois pour faire une communauté de pratique où les ressources nationales de français, de mathématiques, de l'inclusion et de l'adaptation scolaire, les CPRIC régionaux et nationaux, bien, étaient tous là. Et ce que l'on veut, c'est dire, éliminer toutes les barrières qui vont vouloir dire que pourquoi on n'utiliserait pas les outils numériques pour tout le monde. J'en veux plus de PAA. Donc, mon orthopédagogue, ma TES ou ma psycho-N, elle est dans la classe et tout le monde va y avoir droit en classe et en évaluation. Ils sont en FBC et ce temps-là va être mis à recueillir des notes et à voir l'utilité. Donc, ça a été 5 rencontres avec tous les participants, dans le fond, dans lesquels on a vraiment essayé de se former, de se co-développer, de penser à des approches pédagogiques pour amener les enseignants à l'intégrer là, dans la classe et où les services complémentaires s'engageaient dans une démarche de ne plus prendre d'élèves en dénombrement flottant. Ça veut dire de ne plus retirer les élèves en classe, mais être vraiment présente des heures, c'est X de temps, là, dépendamment des milieux, à être dans la classe et à faire de la co-enseignement sous-groupe, mais dans la classe. Et c'est ça le projet WOW. On est à l'an 1. Je vous dirais que même en octobre, tout le monde était à dire que ça prend plus qu'un an pour changer des pratiques. Mais on a 3 objectifs à documenter qui ont tous été répondus partiellement, qui étaient, 1, c'est déstigmatiser l'utilisation des outils d'aide parce que nos élèves jeunes, en fait, ils quittent le secteur des jeunes, entre autres parce qu'ils ne veulent plus recevoir une étiquette, ils ne veulent plus être étiquetés comme élèves à besoins particuliers. Donc, on est dans une approche CUA. Okay? 2, c'est de développer une approche collaborative entre les intervenants. Des profs ne savent pas nécessairement qu'est-ce que ça fait un CPRC, qu'est-ce que ça peut faire une orthopédagogue à part que des crochets pour mettre des mesures adaptatives et qu'est-ce que ça fait un conseiller pédagogique. Conseil pédagogique, c'est un maître en pédagogie, il doit accompagner. Okay? Et 3, c'est augmenter la réussite éducative des élèves de la FBC. Mes élèves de la FBC, 7 élèves sur 8, dans l'analyse qu'on a faite, avaient eu un abandon pendant leur parcours en FBC. Et ils doublaient à triplaient le temps donc pour réussir un cours. Et on sait que la réussite engendre la motivation. Donc, ce que l'on veut, c'est développer un sentiment d'appartenance entre les intervenants et entre les apprenants, amener les enseignants à connaître leurs élèves. Fait que c'est ça. Alors, le projet WOW est appelé il a été reconduit l'an prochain. Les 7 centres vont reconduire le projet. Et on verra ce que ça va faire. Cherchez-vous d'autres milieux. En fait, c'est juste de me contacter. On va voir comment on peut l'adapter là, pour vous. C'est juste qu'ils ne seront pas pris dans les... Dans le fond, vous allez pouvoir intégrer le projet. Mais au niveau là, de l'analyse des données, moi, il fallait que j'aille des centres témoins. Donc, j'ai des petits centres, j'ai des gros centres, j'ai un centre anglophone, j'ai des centres de la région de Québec. Puis, tu sais, le projet WOW, ce n'est pas un projet avec un outil numérique pour tout le monde. C'est vraiment une analyse, mais on s'est rendu compte que ce n'est pas en utilisant une imprimante 3D que ça va répondre aux besoins des élèves. Juste l'utilisation de Word, c'est vraiment quelque chose. C'est ça. Fait que c'est ça. Et Stéphanie Laroche est dans le projet WOW, mais elle ne peut pas parler parce qu'elle est dans le...
est en surveillance d'examen, mais j'ai mis dans l'ordre du jour un article qui présente ça. Vous pouvez en parler aussi à vos directions, mais c'est vraiment vers un changement de pratique. Puis où est-ce que on essaie de comprendre aussi que la FBC, ce n'est pas la FBD, donc ce n'est pas normal que j'aie les mêmes mesures adaptatives et les mêmes besoins lorsque je suis en pré-secondaire que lorsque je suis rendue en examen de sanction des études. Fait que c'est ça. Questions, commentaires, plaintes? Charles? Mais je me demandais, pour le projet WOW, est-ce que je comprends qu'il n'y a pas de mesures adaptatives? Non, on ne met pas de mesures adaptatives en évaluation pour le pré. Tous les élèves, finalement, il n'y a plus d'évaluation là, des élèves, là, de savoir les besoins, tout ça, puis de justifier les besoins. Genre, non. La job que je fais là, présentement, là, c'est ça que exactement. Tu me dis. Exactement. Okay. Parce que dans le fond, toi, tu vas l'observer en classe, puis parce que le prof va pouvoir l'utiliser. Là, notre plus grand défi, c'est d'amener les enseignants à l'utiliser en apprentissage et en modélisant. Okay? Parce que là, on a vraiment travaillé la déstigmatisation des outils d'aide. Fait que j'ai des profs qui vont laisser 100% des élèves l'utiliser. Ça, ils ont compris. Mais de eux autres les utiliser en enseignement, ça reste à travailler. Fait que l'an prochain, dans le fond, ça sera plus 5 rencontres ça sera plus 5 rencontres avec les enseignants. Ça va être 3 rencontres. Mais parallèlement, on va avoir 2 autres rencontres pour soutenir les autos et les CP des centres. Parce que c'est eux autres qui font le travail quotidien là, d'accompagner leurs profs puis d'accompagner leurs élèves, tu comprends? Fait qu'on veut vraiment soutenir ça, puis on va se déplacer, l'équipe nationale, là, l'équipe d'experts là, au niveau du ministère, pour soutenir chacun des centres. Donc, ils vont avoir une rencontre personnalisée d'une journée avec eux autres. Mais non, il n'y a plus de PAA pour le prêt. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Il n'y a plus de PAA pour le prêt. Pour le prêt secondaire. Ouais. Seulement. Pour ceux qui sont en FBC, à ce moment-là, eux autres, ils n'auraient pas accès là, finalement à cette possibilité-là là, du projet WOW. Là. Ceux qui sont, ben, le pré, c'est de la FBC. Le secondaire 1, secondaire 2, j'ai des élèves là, qui vont l'utiliser. Tu sais, ça va. Mais c'est juste que moi, ce que je veux, c'est que rendu en secondaire 3, où est-ce que je suis en FBD, puis où est-ce que mes DDE sont prescrites, bien là, je veux que mon message y soit. Tu sais, je veux qu'on ait récolté assez de notes puis qu'on respecte les lignes directrices. Ça veut dire que moi, je t'octroie un outil, c'est parce que je te l'ai montré en apprentissage, c'est parce que je te l'ai... Ça apporte une plus-value, ça, tu sais, ça fait tout ça, là. Fait que, rendu en secondaire 3, mon dossier, il est étoffé. Fait que c'est pour ça que je voulais m'attaquer à la FBC, parce que mes DDE ne sont pas prescrites, tu sais. Claire, Charles? Ben là, quand tu dis les DDE ne sont pas prescrites, qu'est-ce que tu peux dire? La définition du domaine d'examen, ouais. Dans le fond, là, ce que BIM produit, ce sont des lignes directrices, ben, tu sais, ce sont un cadre, dans le fond, mais un centre, et peut être appelé par ses normes et modalités à pouvoir adapter les évaluations et les modalités d'examen. Mais c'est parce que là, moi, là où je me questionne, c'est c'est pas une prérogative gouvernementale d'avoir à justifier les mesures adaptatives qu'on donne aux élèves en examen. C'est ça, en évaluation de sanctions. Seulement. Ben, donc, les examens ministériels, c'est ça que tu me dis. Oui, le guide de gestion de sanctions des évaluations et des épreuves ministérielles. OK. Fait que, tu sais, dans le fond, là, moi, là, puis je donne toujours l'exemple de mon gars, OK? Mais vous allez comprendre si vous avez déjà travaillé au primaire, c'est que mon garçon, il est en 4e année. Fait que là, cette année, il y avait un examen du ministère. Cette année, ils ont fait un pays, tu comprends? Mais il a eu besoin de son tiers temps, la première, deuxième, troisième année. Ils ont recueilli des traces. Et là, pour officialiser pour l'examen du ministère en 4e année, on a officialisé avec un plan d'intervention. Mais avant, on y a donné, tu comprends? Fait que quand on t'interpelle, Charles, parce que l'élève est à 550 heures, là, bien là, c'est pas le temps tant que ça de montrer antidote, tu sais. Faut que tu y montres, puis tout ça. Puis là, on regarde, puis on travaille avec l'élève, puis avec l'enseignant. Fait que c'est beaucoup plus efficace comme job, puis on fait beaucoup plus d'approches de prévention.
Fait que... C'est vraiment intéressant, mais une dernière chose, OK? Parce que là, je me dis, à ce moment-là, c'est sûr que les élèves qui vont avoir travaillé avec Antidote, ils ne voudront plus se défaire de ça. Là. Fait que là, tout le monde va vouloir Antidote. Là. Ça va être rendu, on passe à un autre niveau. Là. Ça va prendre des ordinateurs partout en salle d'examen, puis de toute évidence. Oui, je vous mets dans le clavardage quelque chose dont vous allez capoter et qui n'est pas à la FGE présentement, mais qui s'en vient. De toute façon, là, tes élèves là, qui sortent du secteur des jeunes, là, mis à part, s'ils sont en secondaire 3, ils ont un PA, ça c'est sûr. Là. S'ils sont en secondaire 4 et 5, là, des fois, ils n'ont pas de PAA, mais tes élèves qui arrivent en 31-01 ou en 30-51, c'est tes élèves de FMS. Là. Ça, c'est clair. Fait que c'est sûr qu'ils ont un plan d'intervention. Je vous mets dans le clavardage une info-sanction qui dit le numérique pour tous. Alors, ce qui se passe au secteur des jeunes présentement, c'est que si les enseignants ont utilisé les outils numériques en apprentissage pour l'ensemble des élèves, même pour les épreuves ministérielles, ils peuvent les utiliser en évaluation ministérielle. C'est quoi? Je suis content d'apprendre ça, vraiment, vraiment. Ça va augmenter d'un niveau, là, je pense, l'utilisation d'Antidote, je pense que ça peut vraiment améliorer le niveau d'écriture chez les élèves. C'est une très bonne chose. Bien là, ce n'est pas fait à la FGE, tu comprends? Présentement, ce n'est pas fait à la FGE. Là, on va travailler, là, tu sais, mais moi, ça me donne du poids, là. C'est fun. Bien content. Oh, j'arrête de parler, merci. Bien non, c'est correct. Je suis Maude ou Brigitte? Bien, tu l'as peut-être dit, puis je l'ai échappé, Karine. Est-ce que tu as l'intention, tu aimerais éventuellement amener le projet WAR jusqu'en troisième secondaire? Étant donné que ce n'est pas des évaluations sanctionnées? Oui, tu sais, ça reste avec chaque centre. C'est juste que je ne veux pas m'attarder à ce qui est prescrit. Fait que ce ne sont pas des évaluations qui sont sanctionnées, mais ce sont des DDE qui sont sanctionnées. OK. Fait que je ne peux pas toucher à mes modalités d'examen. Tu comprends? Mais pourtant, en deuxième secondaire, il y a des DDE aussi. Ils ne sont pas prescrites, mes DDE en deuxième secondaire. Fait que c'est BIM qui les a produits. BIM est engagé par les commissions scolaires, les centres de services scolaires. Puis, dans le fond, là, pour produire des évaluations, tout ça, tu sais, c'est super correct, là, on n'est pas là. Mais en équipe centre, quand on trouve que l'évaluation ne répond pas, si on répond aux critères d'évaluation, bien, on peut modifier le temps, la passation, le, tu sais, c'est tout ça. Là. Mais c'est que moi, dans ma tête, BIM, c'est une chose, mais je ne savais pas que BIM, les examens de troisième secondaire étaient sanctionnés, mais pas à travers le chapitre 5 de la sanction. C'est non, mais c'est parce qu'ils sont préalables à des DEP. OK, c'est ça la différence. Mais ce sont des évaluations maison. Donc, si je veux les rendre plus CUA, ça en équipe centre, je répète, en équipe centre, on peut retravailler les évaluations. Ce que j'encourage toujours, c'est de les retravailler, d'envoyer les rétroactions à BIM. Tu sais, BIM reçoit quand même des sommes pour créer des évaluations. Donc, ils doivent recevoir des rétroactions. Puis, tu sais, on fait un travail avec eux. Là. Mais c'est important que les centres comprennent que BIM... Tu sais, j'ai une attitude en pré puis en FBC là, que j'ai peut-être moins en FBD, mais il faut que je réponde à mes élèves de la FBC et ils n'ont pas les mêmes besoins que ma FBD. C'est anormal que je demande un niveau d'autonomie considérable à un élève de secondaire 1 là, versus le secondaire 5. Là. Mais je ne sais pas si c'est comme ça pour les autres centres, mais chez nous, nos troisièmes secondaires, on les perd, on a un très haut taux d'abandon en troisième secondaire parce que c'est souvent des jeunes qui arrivent du FMS et ils ont utilisé les mesures adaptatives presque autant de nos élèves de FPT. Mais là, ils arrivent chez nous, il faut qu'ils soient autonomes, puis ils le sont vraiment pas, beaucoup moins que nos élèves de quatrième et cinquième secondaire. En tout cas, si un jour tu as le goût de faire quelque chose pour la troisième secondaire, tu m'appelleras. Et on en a discuté, puis écoute, on en a discuté et il y a quelque chose qui s'en vient, okay, que je vais laisser Chantal
annoncer. Je vais juste répondre à la question de Maud, puis après ça, on continuera notre beau tour de table. Oui, bien, bravo pour le projet, là. En tout cas, je sais que ma direction avait nommé son intérêt, fait que ça se fait très bien que je te relance là-dessus, Karine. Puis, j'avais juste une petite question. La francisation, là, les examens, ils sont tous considérés ministériels, hein? Mes DDE en francisation, mes niveaux, mes DDE sont prescrites, mes évaluations sont maison. Mais tu sais, par rapport aux mesures d'adaptation, est-ce qu'on doit avoir l'attitude plus comme vraiment des examens de secondaire 4-5? Oui, parce que mes DDE sont prescrites. C'est ça, OK, c'est bon. Mais si tu as des cours locaux, parce qu'il y a de la francisation alpha qui se fait, et il y a des cours aussi de passation, là, tu sais, il y en a qui ont mis en place une passation plus douce entre le niveau 6-7 et le P105. Fait que s'il est siglé dans un cours local, bien ça, c'est une DDE qui n'est pas prescrite et c'est une évaluation maison. Okay. Fait que ça dépend tout le temps du cycle du cours. OK. Merci. Oui, encore moins. Parce que là, ça m'amène une autre question par rapport à la francisation. Si, pour les mesures adaptatives qu'on pourrait mettre en francisation, qui ne sont pas nécessairement écrites dans le chapitre 5 de la sanction, je parle de la FGA, est-ce qu'on doit faire une demande à la sanction des études pour... parce que moi, j'ai un élève qui a une surdité en francisation et on doit amener des mesures adaptatives différentes. Mais ça, est-ce que je dois faire une demande à la sanction des études? Il faudrait qu'on se parle parce que, tu sais, ça dépend vraiment. Tu peux pas... J'en parle. Il faudrait vraiment qu'on analyse le cas, mais c'est des super de beaux cas. Oui, bien que je vais te recommuniquer avec toi. Je te remercie. Hey, de rien. Alors, Chantal, veux-tu dire qu'est-ce qui va se passer pour la FBD? Et je dirai, pour répondre à Maud, ce qui va se passer pour la francisation. Il y a quelque temps, on vous avait interpellé pour répondre à un sondage sur vos besoins concernant les accompagnements en mathématiques. Donc, ce qui a émergé de tout ça, c'est qu'on souhaiterait vous offrir pour, à partir de l'année scolaire prochaine, voilà ici. Donc, on voudrait démarrer une COP ortho-math-FBD. Donc, l'intention de tout ça, ça serait, dans le fond, pour échanger sur les concepts mathématiques là, qui sont des enjeux là, un peu plus particuliers là, pour nos élèves. On voudrait déterminer quels moyens on a pour les soutenir. Peut-être même, tu sais, si on parlait de prévention tantôt, peut-être même que si on les connaît, ces enjeux-là, ben, on peut les prévenir, échanger sur nos outils, nos pratiques efficaces. Dans le fond, c'est ça, collaborer en discutant, en échangeant, en s'entraidant là, pour essayer d'épauler au mieux nos élèves en mathématiques FBD. Donc, il y a des dates qu'on a déterminées déjà qui sont à l'écran. Dans le fond, 6 octobre, 24 novembre, 19 janvier, 30 mars, 23 mai. Ce qu'on souhaiterait, c'est avoir un groupe là, qui se suit dans le temps au niveau de ces rencontres-là, c'est-à-dire que ça ne serait pas là, comme les apéricots qu'on fait présentement. Tu sais, vous joignez, si vous pouvez, on aimerait ça suivre parce que l'intérêt d'une CAP, c'est justement ça, c'est d'avoir une continuité là, dans les échanges et que peut-être, on ne sait pas, mais peut-être qu'entre les deux, on se donnera des petites tâches à faire, des lectures, des choses comme ça. On déterminera ce qu'il y a à faire entre les rencontres, dans le fond. Donc, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir des gens qui sont capables de faire toutes ces rencontres-là. Donc, pour l'inscription, si c'est quelque chose qui vous intéresse, dans le fond, ça serait de m'écrire à moi pour me mentionner simplement votre intérêt. Fait qu'on va essayer de se former une COP pour l'année prochaine, puis être capable d'échanger sur les mathématiques. Donc, voilà. Richard mentionnait que ça va être dans les salles Zoom des après-cours, mais qu'il n'y aura pas d'enregistrement. Donc, vous pouvez partager la bonne nouvelle à vos collègues. Mais pas la bonne nouvelle que ce n'est pas enregistré, mais la bonne nouvelle qu'il va avoir une communauté en mathématiques. Puis, ça va être important que, dans le fond, là, les gens là, qui vont être là soient là pour les 5 rencontres. Tu sais, fait que qu'on puisse vraiment bâtir quelque chose. Et
l'autre pour répondre à Maud, dans le fond, là. Puis à différents besoins qui sont véhiculés par, ben, par vous autres. Là, c'est en communiquant avec vous autres que je sais c'est quoi les besoins du réseau. Mais il y a la même chose qui va se produire au niveau de la francisation et de tout ce qu'on peut faire comme mesures adaptatives et soutien en intégrant les technologies. Donc, il y a 5 rencontres qui sont dans l'ordre du jour. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un là, qui peut les mettre dans le clavardage. Donc, c'est 5 rencontres où est-ce qu'on va se questionner, analyser, avoir différents points de vue, les personnes, les représentants de la francisation, là, Thierry Ma, Sophie, François Tibériou, Charles Tibériou, sont toutes concernées là, par ça, ils sont tous ouverts. Donc, ce sont des rencontres dans lesquelles on va regarder comment on peut faire atterrir les mesures adaptatives en francisation et soutenir avec l'aide de la technologie. Donc, si vous avez un intérêt, vous pouvez communiquer avec Judith Girardin, qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'est elle qui va piloter le tout. Et ce sera la même chose que pour la COP MAT-FBD. Ça veut dire que ça sera dans la salle des après-cours, mais les rencontres ne seront pas enregistrées. Ça vous va? Oui, d'autres bonnes nouvelles? Julie, Karine, dans le clavardage ou un commentaire. Julie, tu veux-tu prendre, parce que je suis en train de lire en même temps, fait que si tu peux expliquer ton point de vue... Ben, c'est pas un point de vue, c'est juste que quand j'essayais de faire bouger des choses en SBC, parce qu'on a quand même eu beaucoup de rencontres ensemble, puis le projet WAS, ça m'allume beaucoup, ça me parle beaucoup, mais on me dit tout le temps, ben non, on peut pas rien bouger parce que les DDI vont devenir prescrites bientôt, fait que ça se fait comme les habitués à des choses qu'ils pourront pas avoir droit, fait qu'il faut se coller aux DDI qu'on a pas prescrites qu'on a là. Mais là, je vois quelqu'un a répondu quelque chose, mais je suis en train de le lire aussi, là, en fait. Ben, c'est ça. C'est ça, Julie Biron. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Alors, le micro ne fonctionne pas. Fait que je vais prendre les conseils de Richard. Et Richard, peux-tu nous faire lire? Peux-tu nous lire le commentaire de Julie Biron? Je vais faire ça. Donc, Julie dit comme Julie. Donc, Julie Biron dit comme Julie quoi? Que on ne peut pas bouger en EBC parce que les DDE vont devenir prescrites sous peu. Elle demande qu'est-ce qu'on répond à ça. Nous voulons justement décrire à la responsable du programme de français pour la possibilité d'avoir des outils de référence pour les évaluations de français au présecondaire. La réponse est que les DDE et les évaluations sont faites par BIM. Donc, nous avons la latitude de le faire. Tu l'as dit tantôt là, dans les normes et modalités en évaluation. Il est par contre conseillé d'en faire part à BIM afin que toute la province puisse bénéficier de ces mesures. Oui, BIM sont toujours à l'affût de ça. Donc, si vous faites des modifications, si vous faites des évaluations, juste les transmettre à BIM, puis eux vont les rendre disponibles. Mais pour que les DDE de FBC soient prescrites, j'en ai pas entendu parler. Fait que je ne sais pas, mais effectivement, on a de la latitude, puis c'est ce que... C'est ce que par la bande, là, j'ai pas pu le formuler comme un objectif principal du projet WOW, mais c'est ce que par la bande, on est en train de décortiquer tout ça, là, le principe d'estompage, d'accompagnement, de qu'est-ce qui est prescrit, de qu'est-ce qui n'est pas prescrit, c'est tout ça là, qu'on est en train de travailler par les sous-objectifs du projet WOW. Cindy? Ça va. Je me demandais juste sur les rencontres là, d'accompagnement en maths, là, la COP en maths, là, est-ce que c'est possible d'inviter notre CP matière à ça? Parce que, tu sais, nous, on a besoin d'aide, comme je disais, là, on travaille vraiment sur notre base, là, justement, là, RAIS ou la CUA, là, mais puis on va avoir vraiment besoin de l'aide de nos CP matière pour faire un bout de chemin là-dedans. Fait que je trouverais ça intéressant, moi, que mon CP maths assiste à ça. Est-ce que c'est quelque chose de possible? Ou, même si c'est une COP ortho maths? Répondre à ça. Je ne sais pas, c'était axé vraiment sur les difficultés particulières des élèves. Si cette personne-là peut nous apporter, nous éclairer, échanger avec nous, que ce soit constructif, je me dis pourquoi pas. On verra aussi peut-être le nombre d'inscriptions qu'on a. Si on a beaucoup de personnes intéressées, ben, peut-être qu'il va falloir se limiter. Peut-être que ça dépendra de ça. Mais moi, je n'ai pas de fermeture à inviter d'autres personnes. Il n'y a pas de problème. Merci.
Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres bons coups cette année? S'il n'y a personne qui prend la parole, là, je vais la prendre. Mon bon coup, c'est vous autres, c'est sûr. Si je regarde, parce que là, je suis en bilan, j'ai fait des statistiques parce que ça paraît bien, là. Mais pour votre communauté, il y a eu 6 rencontres et il y a eu 127 participations en direct, là. Puis il y a 42 personnes qui sont allées voir les enregistrements. Donc, ça fait, vous avez touché 169 personnes. Donc, ça, je trouve, c'est wow. Puis, au niveau général, les après-cours, c'est 125 rencontres. C'est 3200 participants en direct, puis 5000 personnes en asynchrone. Donc, c'est 9322 participations. Et ce qui est le plus important, c'est 64 animateurs de communauté. Donc, je veux en profiter pour lever mon chapeau à Karine et à Karine. Et aussi à Annick qui est là pour les soutenir. Donc, et vous remercier de votre participation. Puis, je pense que les après-cours répondent à un besoin. Puis, je ne pourrais pas répondre à ce besoin-là, moi. Donc, merci à Karine et à Karine. Ben merci, en fait, à toi, avec Jean qui coordonne tout ça. Mais c'est vraiment, tu sais, ce qu'on veut, là, c'est vraiment répondre aux besoins de tout le monde. Puis il y a eu plein de webinaires aussi, tu sais, on t'a rajouté de la job. Là. Moi, quand je t'arrivais en poste, là, je t'ai rajouté de la job. Là. En fait, c'est ça, Karine, ils lui ont donné un poste pour maintenir celui de Richard. C'est ça, donc les webinaires, là, ça en parle, je m'excuse, j'ai oublié. C'est 33 webinaires, hein? 1500 participations en direct, 3450 visionnements après. Donc, c'est wow. Pour un petit réseau comme la FGE, c'est pas pire, hein? C'est pas si mal, hein? C'est, fait que un immense merci, en fait, à tout le monde. Je terminerai, s'il y en a qui n'ont pas d'autres bons coups, en disant là, les nouvelles en rafale. J'ai essayé là, d'y aller par simonie, mais il y en a vraiment là, qui s'en viennent. Attacher votre truc pour l'année prochaine. De un, les rencontres pour l'année prochaine sont déjà cédulées. Alors, mais on a le 14 septembre à 10h, le 17 novembre à 11h, le 18 janvier à 13h, le 30 mars à 15h et le 6 juin de 10h à midi, à un autre comme 2h là, pour faire notre tour du chapeau. Donc, vraiment, sont déjà planifiés. Si ça permet à Charles de se libérer puis d'être là l'an prochain, c'est pour ça. Je me suis pris d'avance, Charles. J'ai une main dans le clavardage, là, le drive, là, le beau petit canevas que je fais là, quand j'ai plus de cerveau pour faire des statistiques. D'autres nouvelles. Karine, veux-tu expliquer le super chantier de l'automne? Oui, alors cet automne, puis je vais vous mettre tout de suite après les dates dans la conversation, mais cet automne, on va rencontrer Karine, moi et des membres de l'ATRIAC, on va rencontrer l'ensemble des intervenants des services éducatifs complémentaires, l'ensemble des professionnels qui sont intéressés pour faire des petites causeries, en fait. Ce sont des demi-journées qu'on a réservées au calendrier. Les rencontres vont avoir lieu dans les salles de l'après-cours, mais on vous demande de vous inscrire. Donc, vous pouvez choisir une ou plusieurs causeries selon votre corps d'emploi et les tâches qui y sont rattachées. Notre but, c'est de vraiment faire une table ronde sur les rôles et responsabilités des différents intervenants des services éducatifs complémentaires. Donc, je donne comme exemple, un exemple qu'on connaît moins, on va rencontrer tous les orthophonistes et toutes les orthophonistes qui œuvrent en FGA et en FP pour voir que font-ils comme tâches? Quels sont leurs rôles, leurs responsabilités? De quelle façon est-ce qu'ils organisent leur journée? De quelle façon est-ce que leur tâche est organisée? Donc, on rencontre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. On est conscient que pour certaines personnes, hein, on a des agents de réadaptation qui sont aussi CO. Donc, dans certains cas, vous pouvez vous inscrire à plus d'une rencontre. Mais c'est vraiment de voir avec les gens qui vont être présents comment ça se passe un peu partout au Québec, à quoi ça ressemble la tâche un technicien en loisir au Saguenay versus dans la région de Montréal. Donc, c'est vraiment de se faire un répertoire des portraits des tâches, des rôles et des responsabilités des différents intervenants, puis essayer de colliger ça parce qu'ils vont avoir beaucoup de chantiers autour du mentorat qui s'en viennent un petit peu partout. Fait que ça peut venir soutenir aussi les gens qui vont agir à titre de mentor. Ça va nous aider, Karine et moi, quand on est contactés par des gens qui sont nouvellement en poste et qui n'ont pas nécessairement de connaissances par rapport aux différentes façons dont ça se vit. Le libellé de leur poste. Fait que ça va vraiment nous permettre de documenter tout ça.
Et la TRIAC va être avec nous parce que ça pourra éventuellement être aussi présenté à des gestionnaires qui se questionneront sur la façon d'organiser leurs services. Donc, vous êtes invité à vous inscrire. La fiche d'inscription est déjà en ligne. Dans la publicité, vous pouvez cliquer. Ça vous permet de vous inscrire. Fait que si on a des changements de date, si on préfère avoir des inscriptions, c'est des changements de date, des changements de lieu de rencontre, on va ainsi pouvoir rejoindre tous les gens qui sont intéressés. On n'oubliera personne. J'ai sûrement oublié des choses. D'habitude, j'oublie de dire que c'est gratuit. Fait que vu que c'est gratuit, je vais dire « et c'est gratuit ». Mais ce qui est... On a besoin de vous pour le partager à vos intervenants dans le centre. Puis si vous êtes en contact aussi avec d'autres centres FGA, FP, on veut essayer de les rejoindre. Comme on sait qu'il y a des psychologues, donc Evelyne, tu sais, je sais qu'à Trois-Rivières, il y en a, mais il me paraît qu'il y en a aussi dans la région de Portneuf, des orthophonistes aussi dans la région de Portneuf et une à Montréal. Donc, tu sais, on va essayer de rejoindre tous les corps de métier rapidement comme ça. S'il y a des corps de métier qu'on a oubliés, on va les rajouter. Là, c'est vraiment un oubli là, de notre part et c'est vraiment pour essayer de... Un, nous soutenir. Deux, ça va aussi avec le constat. Je ne sais pas si vous avez vu le cadre de référence des services complémentaires à la FP fait par Réverbère et Nadia Rousseau de l'UQTR, mais qui dit que les intervenants en FP, puis c'est la même chose en FGA, là, mais tu sais, qu'ils ne font pas nécessairement les tâches qui leur sont, qui sont dans la description des tâches et des responsabilités. Donc, tu sais, on veut comme essayer de regarder ça, puis aussi soutenir le nouveau gestionnaire qui arrive en poste, de dire qu'est-ce que ça peut faire une orthopédagogue, au niveau de la prévention, au niveau du rôle conseil, au niveau de l'évaluation, qu'est-ce que ça peut faire aussi en partenariat avec les enseignants, avec les élèves, donc un peu là, définir les différents axes. Donc, c'est 3h30 qu'on va passer avec chacun des corps pour essayer de pondre quelque chose qui va soutenir et les services complémentaires et les professionnels. Puis Karine, je veux juste préciser, tu as dit, on se rend compte que certains corps d'emploi ne font pas nécessairement des tâches qui sont en lien avec leur corps d'emploi ou tout ça. Puis on ne sera pas là pour chicaner personne. Là. C'est vraiment pour tirer des constats. Si on se rend compte que toutes les orthos font sensiblement la même chose puis qu'il y a deux éléments là-dedans qui ne sont pas dans la description de tâches, bien, il y a peut-être des réflexions qu'il y aura possibilité d'avoir puis d'aller préciser toutes ces choses-là. Fait qu'on c'est vraiment pour aller dresser un portrait. On ne sera pas dans « tu n'as pas d'affaire à faire ça parce que ton syndicat, on ne sait pas ça du tout. » C'est vraiment de dresser un portrait puis de tirer des conclusions par la suite puis de pouvoir être le plus efficace possible dans nos partages et dans l'accompagnement des centres qui en ont besoin. Là. C'est hot, hein? Mais c'est vrai. Parce que les secs, on s'en vient, tenez-vous bien. Là. Il y aura probablement l'automne, on n'a pas les dates, mais une journée nationale services éducatifs complémentaires et SARCA. Donc, un colloque gratuit, OK, à Québec ou à Lévis, on ne sait pas encore, c'est à voir. Pour les services éducatifs complémentaires et les directions. Donc là, on vous demande de penser à des ateliers parce que novembre, c'est demain matin. Et ce qu'on veut, c'est que, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà participé aux journées nationales là, du ministère, mais c'est des ateliers qui sont présentés aux gestionnaires et aux intervenants pour essayer de mousser c'est quoi les bonnes initiatives et comment mon service de SARCA, mon service de service éducatif complémentaire peuvent être déployés dans les centres. Donc, on vous revient avec les dates, mais pensez tout de suite à des ateliers que vous pouvez participer, puis on devrait avoir les dates sous peu, donc sur la page Facebook, on va la mettre. C'est malade. Questions, commentaires, plaintes, insultes? On n'oublie rien? Quelqu'un veut dire le mot de la fin? Le mot de la fin. La fin. Fait que je pense on a fait tout notre document collaboratif. Tout est fait. Sinon, j'ai remis le lien d'intervenir pour réussir, qui s'est fait un nouveau look, qui est un guide là, qui est utilisé dans beaucoup de centres, qu'on avait déployé au centre Saint-Michel, mais qui a été remasterisé parce qu'il trouvait que mon infographie de Word n'était pas super. Mais c'est vraiment un super guide. Donc, dans le document collaboratif, il est là. Je vous invite à aller y cliquer. Puis sinon, on vous souhaite un super bel été. On se revoit la prochaine année scolaire.